Le sang de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, ma sœur, que la grâce et la paix du Christ soient avec vous. Alléluia. Amen. Je suis toujours ton partenaire de prière. Mon nom, c'est le docteur Chrétien Ofoka. Nous sommes encore aujourd'hui. Là, notre thème sur la prière, c'est la troisième partie de la prière intercession pour les enfants, tes enfants que tu as, les enfants que tu as, l'intercession, intercéder pour les enfants. Alléluia. Amen. La Bible nous dit très bien dans Romains 8, 34 que Jésus est assis à la droite de Dieu et intercède pour nous. C'est pour ça que nous allons encore ensemble aujourd'hui pour intercéder pour nos enfants, pour les enfants. Alléluia. Pour les enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Baissons la tête et rendons grâce à Dieu. La Bible dit que quand deux ou trois sont ensemble en son nom, il est déjà là. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Papa, nous voulons te dire merci au nom de Jésus. Merci de ta présence au milieu de nous, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Rappelons-nous, je nous suggère encore que avant de commencer cette troisième partie de l'intercession de prière sur les enfants, je suggère fortement que ma soeur, mon frère, papa, maman, que tu aies utile, que tu aies suffisamment prié avec la deuxième partie de la prière de guerre pour intercéder, pour arracher nos enfants de la main de nos ennemis. Alléluia. Et la Bible dit, comme nous l'avons dit précédemment dans l'autre section, Luc 4, 38, il est écrit, « Et voici du milieu de la foule, un homme s'écria. » C'est Luc 4, 38. Luc 4, verset 38. Louis second. « Et voici du milieu de la foule, un homme s'écria. « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Alléluia. Papa, maman, la Bible ici nous dit, c'est un homme ici qui est vraiment fatigué de voir son enfant, qui est fatigué de voir son fils bien-aimé, son fils unique. Il est fatigué, il n'a pas besoin d'une autre personne. Il sait que Jésus de Nazareth est disponible et que lui, en tant que papa de l'enfant, en tant que le meilleur pasteur de l'enfant, il est en tant que le papa de l'enfant, la bouche la plus autorisée pour porter la voix au ciel et demander que le Père, que Dieu le Père et que Jésus-Christ intervienne dans la situation. Il a crié très fort. Il était fatigué de voir son enfant à 52 ans, par exemple, qui il n'est jamais sorti de la maison. 52 ans, par exemple, il n'a jamais eu un travail. Il est toujours à la maison. Et il est fatigué de voir son enfant, ses enfants entassés à la maison. Personne n'est marié. Personne n'a d'enfant. Il est fatigué de voir son enfant toujours malade. Il est fatigué de voir ses enfants être très emballés toujours nuit et jour entre les mains de Satan et ses agents. À ce moment-ci, maintenant, il a dit trop, c'est trop.
Il a levé la voix. Mon père, papa, maman, c'est le temps aujourd'hui de lever la voix. Et regarde la situation de ton premier fils, de son, ton deuxième, de troisième, de tes enfants. Et si tu n'as pas d'enfants, même, tu as des enfants encore. Tu as tous des enfants que Dieu a placés entre tes mains. Quelque part que tu as le souci de porter son cas devant Dieu. Amen. Alléluia. La Bible nous dit encore dans Matthieu 8, verset 6, il est écrit, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Alléluia. Seigneur, vous passez de Matthieu 8, verset 6, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Voici encore quelqu'un qui porte le cas d'une autre personne devant l'Éternel et il dit que il est en train d'intercéder devant le Seigneur Jésus que son frère est paralysé. C'est-à-dire que sa santé physique ne marche pas. Son business ne marche plus. Le mariage ne marche pas. Tout pour lui est paralysé. Il cherche le travail, il n'arrive pas. Tout est arrêté. Et il dit très bien qu'il y a trop de souffrance, qu'il souffre beaucoup, il souffre beaucoup. C'est pour ça qu'il a vu que Jésus-Christ est la seule voie. Jésus-Christ est la seule voie. Il a crié, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison. Il veut que son serviteur se lève. Il veut que son enfant se lève. Se lève. Il faut que l'étoile de cette personne qui est couchée, que cette étoile maintenant se lève pour briller. Comme il est écrit dans Isaïe 60, verset 1. Cet enfant est couché à la maison. Toutes ces choses, ces voitures sont garées, couchées sur place, arrêtées, rien ne fonctionne encore. Le monde des ténèbres, Satan a paralysé tout. Rien ne marche. C'est le cas de Job. La souffrance est extrême. La seule personne maintenant où il faut partir, ce n'est pas partir dans une église, ce n'est pas partir quelque chose. Il faut appeler. Appeler. La Bible nous dit dans le psaume 50, verset 15, invoque-moi au jour de la détresse. Invoque-moi, papa. Invoque-moi, maman. Au jour de la détresse concernant tes enfants. Et je te délivrerai. Je vais délivrer tes enfants. Et tu vas me glorifier. Tu vas me louer. C'est l'assurance que le Seigneur Jésus nous donne encore aujourd'hui. Alléluia. Mon frère, papa, maman, bien-aimé, tu regardes très bien la situation de tes frères, de tes enfants. Ça t'inquiète. Ça t'inquiète. Tout ce qui se passe sur tes enfants, ça t'inquiète. Mon frère, papa, maman, bien-aimé, il est temps de porter tes enfants devant Dieu. Lui seul a le dernier mot sur cette situation. Alléluia. Lui seul a le dernier mot. Porte l'enfant. Porte tes enfants maintenant. Tu approches maintenant devant Dieu. Appelle-le dans les jours de détresse. C'est aujourd'hui un jour de détresse pour toi. Il faut appeler. Appeler. Notre Seigneur est déjà au bout du fil en train d'attendre ton appel. Alléluia. Mon frère, ma soeur. Pour appeler maintenant, la seule chose maintenant, peux-tu t'agenouiller pour porter cette situation on va louer Dieu. On va faire un sacrifice de louange pour entrer dans les parvis de notre Dieu. On va nous approcher ensemble devant le Dieu d'Abraham avec ce fardeau, avec cette situation qui nous tracasse, avec nos enfants, portons-le vers l'Éternel. Nous allons utiliser deux chants. Le premier chant, c'est « Mon Dieu plus près de toi » et qui est soutiré de sous les ailes de la foi ou bien chant de victoire. Mets-toi à genoux.
les chante maintenant. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi. Dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, tout près de toi. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors que la souffrance fait son œuvre en silence, toujours plus près de toi, Seigneur, tiens-moi. Plus près de toi, toujours plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi. Que Satan se déchaîne, ton amour me ramène toujours plus près de toi, plus près de toi. Alléluia. Le deuxième chant, c'est un chant de consécration et de sanctification. C'est mon joyeux service. Alléluia. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour à moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Alléluia. La flamme du Saint-Dieu est descendue maintenant sur toi, sur moi. Mon frère, papa, maman, la flamme du Saint-Dieu est descendue sur toi, sur moi, au nom puissant de Jésus. Amen. Ferme les oreilles, les yeux physiques. Ouvre les yeux spirituels. Sois concentré pour porter tes dossiers maintenant, cette situation devant l'Éternel. La seule chose qu'il nous faut maintenant,
qu'il te faut comme moi, mon frère, ma soeur, c'est une colère sainte. Crier, crier, comme Jésus a crié pour sortir Lazare, Lazare, deux du tombeau. Jésus a crié. Et si tu as quelque chose dans ta vie que tu sens qui encore te limite pour approcher devant l'Éternel, confesse-le avec 1 Jean chapitre 1 verset 9. Alléluia. Confesse. Et il est juste pour te pardonner. Allons-y. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis ceci maintenant. Ma bouche, pendant que je prie aujourd'hui, sera plus large que celle de mes ennemis, des ennemis de mes enfants. Au nom de Jésus, ma bouche, pendant que je prie aujourd'hui, pour ces enfants-ci, sera plus large que celle de mes ennemis. Au nom de Jésus, les ennemis de mes enfants, les ennemis du premier fils, les ennemis du deuxième, troisième. Au nom de Jésus, ma bouche sera plus large que celle des ennemis de ces enfants-ci. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, n'oublie pas toujours que le nom des enfants doit être écrit sur une liste. Ah, alléluia. Pour lesquels tu prophétises, tu parles sur chaque enfant ou bien la photo de l'enfant en main. Tu prophétises parce que tu es le pasteur de l'enfant. Tout ce qui défie Dieu dans la vie de ses enfants-ci, avant que je ne finisse la prière aujourd'hui, sont enterrés au nom de Jésus. Tous ceux qui défient Dieu dans la vie de chacun de mes enfants, afin qu'avant que je ne finisse cette prière, ils seront tous enterrés au nom de Jésus. Tous ceux qui défient Dieu dans la vie de ses enfants, prononce le nom. Avant que je ne finisse cette prière, ils seront tous enterrés au nom de Jésus. Ils seront tous enterrés au nom de Jésus. À la fin de la prière d'aujourd'hui, je chanterai un nouveau cantique et danserai une nouvelle danse avec la victoire au nom de Jésus. À la fin de cette prière, je chanterai un nouveau cantique et je danserai une nouvelle danse à cause de la victoire emportée au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Dis maintenant ceci. Je brise toute chaîne de rétrogradation héréditaire. Je brise toute chaîne de rétrogradation héréditaire. Des choses héréditaires qui arrêtent tes enfants toujours. Je brise les modèles maléfiques, sataniques, qui sont sur mes enfants. Au nom de Jésus, je les brise au nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. J'ai détruit tous ces pans physiques qui attaquent mes enfants. Au nom de Jésus, j'ai détruit tous ces pans physiques. C'est le verset Luc, chapitre 10, verset 19. Je détruis tous ces pans physiques qui attaquent mes enfants. Au nom de Jésus, qui attaquent mes enfants. Je les détruis au nom de Jésus. Papa, maman, ne reste pas tranquille là. Lève ta voix et le Seigneur est en train de t'écouter. Parce que maman, c'est toi qui as porté l'enfant sur 9 mois. Papa, ces enfants sont sortis de terrain. J'ai détruit tous ces pans physiques qui attaquent mon premier-né, qui attaquent le deuxième-né, qui attaquent le troisième-né, qui attaquent mes enfants. Au nom de Jésus, je les détruis au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.
Maintenant, tu dois prier maintenant pour enlever, pour détruire tout le muret de chagrin qui entoure tes enfants. Tu vas les détruire. J'ai détruit tout muraille de chagrin autour de mes enfants. Au nom de Jésus, j'ai détruit tout muraille de chagrin. Les murailles de chagrin qui entourent mes enfants. Au nom de Jésus, j'ai détruit les murailles de chagrin qui entourent mes enfants. Au nom de Jésus, je les détruis au nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus. Vas-y. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. À cause de mes enfants. Vous, les portes de tragédie. À cause de mes enfants. Vous, tous les portes de tragédie. Fermez-vous par le feu au nom de Jésus. À cause de mes enfants. Vous, tous les portes de tragédie. Fermez-vous par le feu au nom de Jésus. Fermez-vous par le feu au nom de Jésus. Vas-y. Commande que les portes de tragédie se ferment. Elles ne vont pas recevoir tes enfants. À cause de mes enfants, du premier né, dans les noms, du deuxième né, troisième né, des enfants de mes enfants, de ma génération à venir. Vous, les portes de tragédie, fermez-vous par le feu au nom de Jésus. Fermez-vous par le feu au nom de Jésus. Fermez-vous par le feu au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Maman, papa, crie encore. C'est un peu comme s'il y a une chaîne là que les sorciers ont mis sur les pieds de l'enfant. Il ne peut pas avancer. Ces choses ne peuvent aller vite. Parce que les chaînes sont en train de le tirer vers le village où ils sont nés. Les chaînes qui sont depuis de la génération. Dis ceci. Chaînes anciennes. Qui lie chacun de mes enfants au même endroit. Chaînes anciennes. Qui lie chacun de mes enfants au même endroit. Brisez-vous par le feu au nom de Jésus. 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 Vas-y, répète. Pas casser des poteaux. Chaîne ancienne. Qui lie chacun de mes enfants au même endroit. Il n'avance pas. Brisez-vous par le feu au nom de Jésus. Brisez-vous par le feu au nom de Jésus. Brisez-vous par le feu au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, le rideau qu'on a mis sur tes enfants, un rideau qui les disgracie toujours, que l'ennemi a mis sur tes enfants, pour qu'ils ne soient que partout, ils ne sont presque rien. C'est toi à porter maintenant cette situation devant le Dieu d'Abraham. Il t'appelle. Il est au téléphone maintenant et en train de t'attendre. Appelle-moi, je te répondrai. Crie maintenant et dis ceci. Toi, rideau de disgrâce qui affecte mes enfants. Toi, le rideau de disgrâce, le rideau de la honte qui affecte mes enfants. Tombe et prends feu au nom de Jésus. 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 Vas-y, tombe et prends feu, tombe et prends feu, tombe et prends feu au nom de Jésus. Toi, rideau de disgrâce, rideau de honte. Qui affecte mes enfants. Donne les noms. Partout dans le quartier, ces enfants sont reconnus négativement comme ci, comme ça. Toi, rideau de disgrâce, rideau de honte. Tombe et prends feu au nom de Jésus. Tombe et prends feu au nom de Jésus. Tombe et prends feu au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Tu vas maintenant arrêter la main de tes enfants. De tous les enfants que tu as sur la liste là. Dis ceci. J'arrête la main de tous mes enfants
mais tous ses enfants si maintenant. Pendant que tu marches, tu fais semblant de marcher. Marche, marche. Fais les tours pendant que tu fais ces prières si maintenant. J'arrête la main de chacun de mes enfants. Et je sors du gouffre de la pauvreté. Pour aller dans la région de la prospérité. Au nom de Jésus, j'arrête la main de tous mes enfants. Et je sors du gouffre de la pauvreté. Pour aller dans la région de la prospérité. Au nom de Jésus, sors, marche. Marche avec tes enfants. Sors du gouffre avec eux. J'arrête la main de mes enfants. Maintenant, je sors du gouffre de la pauvreté. Et je vais pour la région de la prospérité. Au nom de Jésus, je vais pour la région, la zone de la prospérité. Je m'en vais dans la zone de la prospérité. Au nom de Jésus, marche. Vas-y, vas-y. Sors du gouffre de la pauvreté avec tes enfants. Entre maintenant dans la région, dans la zone de prospérité maintenant. Entre au nom de Jésus. 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 Je sors du gouffre de la pauvreté. Je pénètre la région de la prospérité. Au nom de Jésus. Je pénètre la zone de la prospérité. Au nom de Jésus. Vas-y. Makata korikata. Crie fort. Maseka kakoto ketetan. Jero ni kabro koroketa. Rekapo kote ketetan. Rekapo kote ketetan. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. J'envoie le feu de Dieu pour brûler le parapluie maléfique qui bloque la pluie de bénédiction sur mes enfants. Au nom puissant de Jésus, j'envoie le feu de Dieu et je brûle ensemble le parapluie satanique qui bloque la pluie de bénédiction sur mes enfants. Au nom de Jésus, j'envoie le feu de Dieu et je brûle en cendres le parapluie satanique, le parapluie de sorcellerie, le parapluie maléfique qui bloque la pluie de bénédiction sur mes enfants. Au nom puissant de Jésus, brûle en cendres au nom de Jésus, brûle en cendres au nom de Jésus. Feu! Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit dans Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Pendant que tu marches, tape tes pieds par terre. Tape les deux pieds par terre et dis ceci. Je marche sur les serpents et les scorpions de la dépression qui affecte mes enfants. Au nom de Jésus, je marche sur les serpents et je marche sur les scorpions de la dépression qui affecte mes enfants. Au nom de Jésus, je marche sur les serpents et je marche sur les scorpions de la dépression qui affecte mes enfants. Maintenant, au nom de Jésus, je marche. Marche. Tape les pieds par terre. Tape la tête des serpents là, les scorpions. C'est pas un problème. C'est un scorpion problème qui affecte tes enfants. Je marche sur les serpents et les scorpions de la dépression qui affecte mes enfants, qui affecte le premier-né, qui affecte le deuxième-né, qui affecte le troisième-né, qui affecte tous mes enfants, qui affecte ces enfants-ci. Au nom de Jésus, je marche au nom de Jésus. Je marche au nom de Jésus. Je marche au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Tu es là. Il y a trop de choses sur tes enfants, dont les sorciers, le méchant. Ils ont mis le cadenas là-dessus. De telle sorte qu'ils font n'importe comment, ils ne s'en sortent pas. Pourtant, les enfants des autres s'en sortent bien. Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu comme s'il y a un cadenas qu'on a mis sur plusieurs départements de la vie des enfants. Alléluia. Maintenant là, papa, maman, c'est toi le pasteur. C'est toi la personne que Dieu veut entendre la voix. C'est toi qui as porté l'enfant 9 mois. Papa, c'est toi qui es. Ces enfants-là sont sortis de terrain. Dis maintenant ceci. Ceux qui ont cadenassé le succès de mes enfants. Tous ceux qui ont cadenassé le succès de mes enfants. Tous ceux qui ont mis le cadenas sur le succès, le mariage, le travail, la santé,
de mes enfants. Libérez les clés maintenant par le feu au nom de Jésus. Libérez les clés maintenant par le feu au nom de Jésus. Libérez les clés maintenant par le feu au nom de Jésus. Libérez les clés maintenant par le feu au nom de Jésus. Libérez au nom de Jésus. Libérez au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. 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 Dis maintenant ceci. Tout monstre cruel. Tout monstre cruel. Qui a avalé la joie, ma joie par rapport à ses enfants-ci. Quand tu regardes tes enfants tout le temps dans le cœur, quand tu regardes tes enfants chaque fois, c'est un peu comme si tu n'as pas de paix. Les enfants des autres, ils sont contents. Mais quand tu regardes tes enfants, tu penses à tes enfants, toujours l'amertume est dans le cœur. Tout monstre cruel qui a avalé ma joie par rapport à mes enfants et qui a avalé les percées même de mes enfants. Vomis-les maintenant au nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Je réprimande tous ceux qui ont confiné mes enfants dans le tunnel du retard. Je réprimande tous ceux qui ont confiné mes enfants, ont entassé mes enfants dans un tunnel du retard. Au nom de Jésus, l'enfant à 58 ans n'a pas encore commencé un mariage. Les retards sont à presque à tous les carrefours. Je réprimande tous ceux qui ont confiné, entassé mes enfants dans le tunnel du retard. Au nom de Jésus, je réprimande maintenant tous ceux qui ont confiné ces enfants-ci dans le tunnel du retard. Au nom de Jésus, je les réprimande. Qu'ils soient disgraciés maintenant au nom de Jésus. Qu'ils soient disgraciés maintenant au nom de Jésus. Qu'ils soient tous disgraciés. Qu'ils soient tous disgraciés. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Je commande maintenant que toute habitation d'étrangers dans la vie de mon premier fils, dans la vie de mon second fils, dans la vie de mon troisième fils, dans la vie de tous ces enfants-ci maintenant, soit complètement détruite au nom de Jésus. Lève même la photo si tu veux. Lève les noms. N'importe quel étranger qui est dans la vie et qui marche dans le corps de l'enfant, qui suivait l'enfant. Toute habitation d'étrangers dans la vie, prononce le nom. Si le premier fils est Faucon chrétien, toute habitation d'étranger dans la vie de Faucon chrétien, toute habitation d'étranger dans la vie du deuxième fils, troisième fils, dans la vie de chacun de ses enfants-ci, soit complètement détruite au nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Répète encore ce point de prière. N'importe quel esprit qui vit dans le corps de ton enfant doit partir. Toute habitation d'étranger dans la vie de mon premier fils, dans la vie de mon deuxième fils, appelle le nom, dans la vie de mon troisième fils, dans la vie de mes enfants, soit complètement détruite au nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. La ville de défense des oppresseurs dans la vie de chacun de mes enfants, n'importe quelle partie de son corps, si le feu de Saint-Esprit est en train de pénétrer
et que une partie de son corps, peut-être le pancréas ou bien n'importe quelle partie où un ennemi se cache et qui a pris ça comme son territoire et qui fait que l'enfant soit toujours à l'hôpital. Puis c'est ce genre de prière maintenant. Cette partie du corps-là est appelée la ville de défense de l'oppresseur, des mauvais esprits qui vivent dans l'enfant. Dis ceci, la ville de défense des oppresseurs dans la vie de chacun de mes enfants, prononce le nom. La ville de défense des oppresseurs dans la vie de chacun de mes enfants, la ville de défense des oppresseurs dans la vie du premier, de mon premier fils, du deuxième fils, du troisième fils, dans la vie de chacun de mes enfants. Soit détruite maintenant au nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Le siège de l'ignorance destructif. Le siège de l'ignorance destructrice. Aujourd'hui sera brisé en pièces. Au nom de Jésus. Le siège de l'ignorance. Tes enfants ne seront plus ignorants à la parole de Dieu. Ils ne seront plus ignorants à la vraie voix de Dieu. Le siège de l'ignorance destructive sera brisé aujourd'hui en pièces au nom de Jésus. Sera brisé aujourd'hui en pièces au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Quand l'ennemi vient voler les choses de tes enfants, son mariage, son école, on vole tout ça, on vole. Les sorciers vont garder ça, soit dans le deuxième ciel, soit au fond de l'eau, soit sous la terre, soit dans les rochers, ainsi de suite, soit dans les arbres. Dis maintenant ceci. La fosse de la sorcellerie, où les bénédictions de mes enfants sont détournées et enfermées. La fosse de la sorcellerie, où les bénédictions de mes enfants sont détournées et enfermées. Prends feu maintenant au nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Maintenant, mon frère, ma soeur, papa, maman, tu vas te lever encore. Tu vas faire des pas, un certain nombre de pas, aller-retour pour marcher avec tes enfants. Tu vas arrêter la main de tes enfants. Faire un geste symbolique comme tu arrêtes la main de chacun de tes enfants. Tous les enfants dont le nom est dans cette liste. Tu dis ceci, j'arrête le nom, j'arrête la main de tous mes enfants, de tous ces enfants-ci. Et je sors du territoire de la disgrâce pour entrer dans l'arène de l'élévation par la puissance dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus, j'arrête la main de tous mes enfants. Je sors du territoire de la disgrâce, de la honte. Et j'entre dans l'arène de l'élévation par la puissance dans le sang de Jésus, au nom de Jésus. Je sors du territoire de la disgrâce pour entrer dans l'arène de l'élévation par la puissance dans le sang de Jésus, au nom de Jésus. J'arrête les mains de tous mes enfants. Je sors du territoire de la disgrâce pour entrer dans l'arène de l'élévation par la puissance dans le sang de Jésus, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis encore maintenant ceci, en marchant toujours, tu vas encore arrêter tes enfants. Tu vas les aider à sortir de toutes les hontes possibles qui vous a enfermé depuis des années. Dis ceci, je nage de la rivière de la douleur pour entrer dans le fleuve du gain. Au nom de Jésus, je nage de la rivière. J'arrête les mains de mes enfants. Je nage de la rivière de la douleur pour entrer avec eux dans le fleuve du gain. Au nom de Jésus, j'arrête la main de tous ces enfants-ci. Et je nage de la rivière de la douleur
pour le fleuve du Gain au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu en as de décréter avec tes enfants la promotion. Décrète encore pour que tu voles dans les airs. Tu voles ton pour que ta promotion et la promotion de tes enfants soit exponentielle. Dis ceci, j'arrête la main de tous mes enfants et je vole du ciel du rejet vers le firmament de la domination totale au nom de Jésus. J'arrête la main de tous mes enfants et je vole du ciel du rejet pour entrer dans le firmament de la domination. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas décréter encore. Arrête, tu vas encore arrêter la main de tes enfants. Continue à marcher. Pour enlever des enfants de l'arrêt bus, pour qu'ils aillent dans l'accélération, dans tous les domaines de leur vie. J'arrête les mains de tous mes enfants. Je quitte l'arrêt bus de la stagnation pour entrer dans l'arène des percées accélérées. Au nom de Jésus, j'arrête la main de tous mes enfants. Je quitte l'arrêt bus de la stagnation pour entrer dans l'arène des percées accélérées au nom de Jésus. Masse capoto kata tata tata recapoko au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Cette année, les percées de chacun de mes enfants dépasseront toutes les percées précédentes qu'ils n'ont jamais enregistrées. Au nom de Jésus, cette année, les percées de tous mes enfants, de tous ces enfants-ci, dépasseront toutes les percées précédentes qu'ils n'ont jamais enregistrées. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Les larmes que tu coulais à cause de tes enfants-là, maintenant, il faut que tu demandes maintenant au Seigneur Jésus de les effacer. Ah, larmes sataniques, larmes maléfiques, soyez effacés de mon visage concernant mes enfants par le sang de Jésus, au nom de Jésus. L'âme maléfique, l'âme satanique, soyez effacés de mon visage concernant mes enfants par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Les larmes que tu as coulées à cause de tes enfants, sur ton oreille, dans la chambre, partout où tu passes, la tête baissée, l'âme maléfique, l'âme satanique, soyez effacés de mon visage concernant mes enfants, par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Soyez effacés, soyez effacés, soyez effacés maintenant, soyez effacés maintenant, soyez effacés maintenant. Vas-y maman, vas-y papa. Récapoco, sang de Jésus, efface-les, sang de Jésus, efface-les, sang de Jésus, efface-les, sang de Jésus, efface-les, efface les larmes, efface les larmes, efface les larmes, efface les larmes. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Ma sekeke se tetetetete. Yekeke se tetetete. Vas-y maintenant et dis ceci. La montagne de chacun de mes enfants. La montagne de chacun de mes enfants est écroulé aujourd'hui au nom de Jésus. La montagne de chacun de mes enfants est écroulée aujourd'hui au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. 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 Dis ceci. Tout
objet étrange qui bouge dans le corps de n'importe quel enfant. Tout objet étrange qui bouge dans le corps de chacun de mes enfants. Tout objet étrange qui bouge dans le corps de mon premier fils, du second fils, du troisième fils, de mes enfants, des enfants de mes enfants. Sors et meurs maintenant au nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Vas-y maintenant, dis ceci. Tous les objets volés à mes enfants, soit récupéré maintenant au nom de Jésus. Tous les objets volés à mes enfants, soit récupéré maintenant au nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Tout vêtement étrange qui expose mes enfants à l'attaque. Tout vêtement étrange qui expose mon premier fils, le deuxième fils, le troisième fils, qui expose ses enfants à l'attaque. Soit brûlé ensemble au nom de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Tu vas citer trois choses. Trois banques dans lesquelles les choses de tes enfants sont gardées depuis. Banquier marin. Banquier de la forêt. Banquier de rocher. Répète encore. Banquier marin. Banquier de la forêt. Banquier de rocher. Libérez les vertus de mes enfants maintenant au nom de Jésus. Libérez les vertus de mes enfants maintenant au nom de Jésus. Libérez les vertus de mes enfants maintenant au nom de Jésus. Libérez les vertus de mes enfants maintenant au nom de Jésus. Libérez les vertus de mes enfants maintenant au nom de Jésus. Libérez les vertus de mes enfants au nom de Jésus. Libérez les vertus. Libérez les vertus de mes enfants maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis maintenant ceci. La puissance d'aller de gloire en gloire. La puissance d'aller de gloire en gloire. La puissance d'aller de gloire en gloire. Tombe maintenant sur chacun de mes enfants maintenant au nom de Jésus. Tombe maintenant sur chacun de mes enfants au nom de Jésus. Tombe maintenant sur chacun de mes enfants au nom de Jésus. Tombe maintenant sur chacun de mes enfants au nom de Jésus. Tombe maintenant sur chacun de mes enfants au nom de Jésus. Tombe maintenant sur chacun de mes enfants au nom de Jésus. La puissance d'aller de gloire en gloire. Tombe sur mon premier fils. Tombe sur mon deuxième fils. Tombe sur mon troisième fils. Tombe sur mes enfants. Sur les noms. La puissance d'aller de gloire en gloire. Tombe sur mes enfants au nom de Jésus. Tombe sur mes enfants au nom de Jésus. Tombe sur mes enfants au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Que ferai-je pour toi? Tu as tout fait pour moi. Que ferai-je pour toi, Seigneur? Tu as tout fait pour moi. Pendant que tu es en train de danser, mon frère, ma soeur, papa, maman, il faut secouer la photo des enfants au ciel pour que le Seigneur bénisse là. Et en chantant, tu dis ceci. Que ferai-je pour toi? Tu as tout fait pour moi. Que ferai-je pour toi, Seigneur? Tu as tout fait pour moi. Que ferai-je pour toi? Tu as tout fait pour moi. Que ferai-je pour toi, Seigneur? Tu as tout fait pour moi. Que ferai-je pour toi? Tu as tout fait pour moi. Que ferai-je pour toi, Seigneur? Tu as tout fait pour moi. Vas-y maintenant, tu dis merci à l'Éternel pour tout ce qu'il a fait sur tous ses enfants.
pour tous les miracles qu'il a fait. Dis-lui merci. Nous allons maintenant dire sept fois Alléluia pour le témoignage qui va en suivre. Allons-y. Un, deux, trois. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, papa, maman, d'autres fois, si tu trouves moyen de prendre même un jeune, que tu peux arrêter même à, que tu peux arrêter même à 17h, pour 3 jours, tu prends un jeune de 3 jours pour conduire ses enfants à l'Éternel. Alléluia. C'est la troisième prière. Pour porter les enfants à l'Éternel. À l'Éternel. À l'Éternel. Prie et prie et prie et prie. Le Seigneur. Le Seigneur va répondre. Le Seigneur a répondu. Le Seigneur a répondu à tes prières. Le Seigneur a répondu à tes prières. Au nom puissant de Jésus. Je vous couvre dans le sang de Jésus. Je couvre tous ces enfants-là dans le sang de Jésus. Je couvre votre maison. Je couvre votre vie dans le sang de Jésus. Que celui-là qui répond par le feu, le Dieu d'Élie, répond à vos prières aujourd'hui par le feu au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.